Bonsoir, bienvenue sur la Libre Antenne, voilà, bienvenue, bonne année à tous, parce qu'on sait, hein, la dernière fois qu'on était pris, on avait pris l'antenne, c'était en 2013, donc nous sommes en 2014. Ça va Sylvain? Ça va très bien, donc, bonne année Patrick. Bonne année hein, Sylvain, bonne année, bonne santé à tous nos auditeurs, à tous ceux qui nous regardent. Merci à tous ceux qui nous soutiennent, d'ailleurs on leur passe vraiment nos meilleurs voeux et vraiment on va dire tous vos soutiens, parce que vous avez été très nombreux ces temps-ci en fait à nous rejoindre. On sait que on a quasiment eu des pointes à 100 000, 110 000 par jour, enfin des choses assez incroyables. Donc merci à vous tous hein, qui pensez qu'il faille vraiment ouvrir une voie de résistance médiatique, que la voie en fait de la résistance s'articule autour de plusieurs axes. Hein. Et ça, c'est pas Sylvain qui va me contredire certainement là-dessus, parce que toi, Sylvain, ça fait... Donc, t'es un ex-supérien, on peut le dire. Oui, enfin, ça a été un passage, finalement, de un an et demi, on va dire. Oui, en fait, t'es toujours... Tu resteras jamais tatoué de l'école upérienne. De l'UPR pour... Non, on va dire que je suis déjà un bon gauchiste à la base, donc contrairement à ce que certains me font comme procès d'intention, mais oui, je suis passé par l'UPR essentiellement pour les questions de souveraineté. Après, différents problèmes internes à l'UPR ont fait que j'ai préféré lâcher ce mouvement, d'autant qu'il y avait aussi une idée de... Les chapelles politiques ne sont là que pour se friter entre elles, et au final, c'est pas productif quand on essaie de parler avec tout le monde, surtout des gens qui, à travers leurs officines, que ce soit le Front de Gauche, le MPEP, le PRCF, l'UPR, Debout la République, sont essentiellement d'accord sur des grands socles communs. Donc, finalement, est-ce que c'est pas des bases militantes? Tout le monde n'est pas un peu d'une même base militante, on va dire, dans justement les partis que tu viens de citer? Parce qu'il y a des grands accords. Bah oui, mais... en fait, moi, j'ai rien contre les gens qui s'engageaient politiquement dans une chapelle. La question étant, c'est qu'il faut savoir garder son logiciel pour soi, pour des choses bien précises que l'on voudra défendre quand on aura repris les commandes, d'une certaine façon. Donc là, tout le sens des partis politiques reste correct. Mais sur les grands enjeux communs où tout le monde est d'accord, il y a un moment, il faut arrêter de se battre entre nous, alors que le véritable problème est plus haut. Nos ennemis en politique intérieure de la France ne sont certainement pas les différents partis politiques qui sont déjà à la base d'accord sur les enjeux financiers européens, etc. C'est plutôt ce que j'appelle l'extrême-centre, les partis ultra-libéraux et européistes, qui eux sont nos ennemis communs. Donc quand le Front de Gauche et le Front National agitent un petit peu les curseurs, et que toutes les officines politiques qui sont un petit peu plus spécialisées ne cesse de se déchirer, au final, qui perd, ce sont les Français. Donc c'est à partir de là que je me suis dit qu'il valait mieux partir du point de vue plus partisan et travailler sur quelque chose qui est plus neutre. Voilà, parce que toi, tu me fais penser à un citoyen engagé, c'est-à-dire que tu as mis, on va dire, tes convictions, tes idées, tu as creusé les sujets. En plus, il y a un côté que j'appellerais, bon, moi, chouariste, hein, désolé du terme, mais c'est-à-dire, puisque chouar, il invite les gens à se prendre en main et à devenir des spécialistes. Et je trouve que ça fait un peu, tu me fais penser à ça, d'avoir suivi ce chemin, de dire, bon, ben voilà, je vais me renseigner, m'informer moi-même sur ça, je vais comprendre comment ça fonctionne. Exact. Ce qui est assez original, c'est surtout que ce que je ne m'attendais pas, c'est qu'au départ, j'étais intéressé par les questions purement de pétrole et d'écologie, donc rien à voir avec les questions de souveraineté. Ces questions étant d'abord économiques, j'ai cherché à savoir qui nous imposait le modèle économique. Donc on n'a pas le choix en commençant à s'intéresser aux traités européens que de constater que ça vient de là, que ça vient plus de notre exécutif ou de notre parlement. Donc tout cela m'a mené en fait, après une certaine culture partisane, voir ce que cela donne, est-ce que ça marche les partis politiques ou pas. De me dire, il vaut mieux rester en dehors, mais par contre, moi, me spécialiser, comment on éveille une population, en tout cas une population qui est déjà militante, à se fédérer et utiliser des outils insurrectionnels pertinents, ce qui m'a sorti du coup totalement de mon terrain idéologique, qui est donc la décroissance. Donc ça, c'est mon point de vue politique personnel, mais que je ne veux pas imposer aux gens. Mes idées partisanes n'intéressent que moi. Ce qui m'intéresse, c'est de dire maintenant, quels sont les outils qui peuvent être utilisés par tout le monde pour un projet commun. C'est-à-dire, alors, j'aime beaucoup le titre d'ailleurs, l'insurrection intelligente, donc c'est-à-dire, ça passe quoi, par l'éducation populaire déjà, premièrement? Oui, c'est déjà en fait l'insurrection intelligente, alors c'est
bête, j'ai pas pris mon papier. Dans la loi fondamentale allemande, donc qui est l'équivalent d'une constitution, j'ai plus l'article qui y réfère, mais il y a quelque chose qui est très bien dit, qu'on n'a même pas dans notre constitution, c'est que l'insurrection pour le peuple allemand est valable donc légalement dès lors que tous les autres moyens possibles auront été utilisés, à savoir donc des outils que je vais évoquer demain dans une conférence. La justice, on peut évoquer la monnaie, on peut évoquer le courrier aux institutions, la presse alternative, enfin il y a beaucoup d'outils qu'on peut utiliser. Et dès lors qu'on a tout utilisé, bah, à un moment, il faut se dire qu'on peut, on peut aller beaucoup plus loin. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de présenter ces outils parce qu'on n'est pas encore dans dans une situation où c'est trop grave, jusqu'au point où il faut sortir les fourches et les piques, entre guillemets. Mais se dire, voilà, on a quand même des outils en France que les gens n'utilisent pas ou n'exploitent pas, alors que si on était quelques collectifs à se débrouiller avec, ça marcherait. Ça marcherait réellement. C'est intellectuellement, il n'y a rien qui s'y oppose. Alors, vas-y, donne-nous des pistes, parce que justement, comment. Alors, c'est quoi ça, ça commence par quoi, c'est quoi? Il faut faire. C'est quoi la première piste qui a été, on va dire, inexplorée, en fait? Parce qu'en gros, il y a des pistes inexplorées. Alors, ça dépend si tu veux que je parle de celles que j'ai commencé à explorer chronologiquement ou celles que je considère les plus faciles et les plus pertinentes aujourd'hui après avoir. Ah, bah, peut-être les plus pertinentes, les plus faciles. D'accord. Comme on va apporter des solutions à chaque fois, bah, allons-y. Oui, eh ben, je vais en donner une toute simple. Le site de la présidence de la République indique que cette institution reçoit entre 1500 et 2000 courriers et courriels par jour. Donc on a déjà un objectif chiffré. Écrire à la présidence de la République, ça ne coûte rien puisqu'il n'y a pas besoin d'affranchir le courrier. Donc si tout le monde envoyait des courriers physiques, c'est-à-dire que par exemple il y a quelques petits malins qui sont bons dans la prose, qui vont écrire quelques courriers. Les gens qui ne se sentent pas d'écrire se contentent juste de télécharger le fichier, l'imprimer et le mettre sous enveloppe avec l'adresse de la présidence de la République. Et on se concerte tous pour que ce soit aux mêmes dates que les courriers physiques partent. Qu'est-ce qui se passe? Si on a ne serait-ce que 1000 personnes qui envoient un courrier à la présidence de la République qui, par exemple, dit « Nous exigeons la sortie de l'euro et de l'Union européenne, nous exigeons la sortie de l'OTAN, nous exigeons le droit d'asile politique à Edward Snowden », enfin, on se concerte simplement sur le mot d'ordre et nous sommes le peuple souverain, nous exigeons, nous ne demandons pas. Monsieur Hollande ne peut pas détenir la souveraineté du peuple français, ça n'est, excusez-moi du terme, qu'un larbin. Il est censé servir nos intérêts. Donc nous faisons un courrier où nous faisons part de nos exigences, nous sommes au moins 1000, donc ça veut dire qu'il y a 1000 courriers physiques qui s'ajoutent au flot de courriels qui, à l'ère numérique, doit être essentiel de ce que reçoit l'Élysée, et du courrier physique habituel. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, tous les services de la présidence de la République se rendent compte qu'il y a un problème parce qu'ils voient une augmentation du flux de courrier, ça se voit. Il y a la masse en elle-même des sacs postaux qui est là, il y a les bureaux qui sont encombrés de courriers physiques qu'il va falloir décacheter avec à chaque fois le même mot d'ordre. Le président sera forcément au courant parce que surtout si ça s'installe dans quelque chose qui est un petit peu long dans le temps, les renseignements généraux, le président de la République et puis tous les fonctionnaires qui travaillent à la présidence de la République vont commencer à sentir un malaise. Pourquoi? Parce que psychologiquement, il faut juste se mettre à la place des fonctionnaires qui sont en place, qui d'un coup va y arriver un flot de courriers auxquels ils ne s'attendaient pas, dont ils ont obligation de décacheter et savoir ce qu'il y a dedans. Le courriel, ça ne sert à rien parce qu'un coup, on met tout dans la corbeille et c'est terminé. Mais le courrier physique, on ne peut pas faire en sorte de se l'éviter. On ne peut pas dire à la poste, ne nous amenez plus le courrier des citoyens français. Et ça, psychologiquement, c'est juste quelque chose qui est insupportable parce que ces gens, je ne dis pas les fonctionnaires, mais le président de la République et puis les gens qui sont autour de lui sont en train de nous trahir. Ils le savent bien. Ils savent pertinemment qu'ils nous trahissent. Ils sont mal à l'aise avec ça, à tel point que d'ailleurs, ils ont des flopées de garde du corps de partout. Alors que dans d'autres pays, certains présidents ou nombre de ministres n'ont même pas de protection, oui, parce qu'ils savent très bien qu'ils ne trahissent pas leur peuple, donc ils n'en ont pas peur. Là, nous avons des dirigeants qui ont peur de leur propre peuple, et si d'un coup le peuple se réveille et dit « nous avons telles exigences » et que c'est par courrier physique et que c'est visible, ça ne va coûter rien à personne, si ce n'est une minute à télécharger et faire imprimer un courrier, écrire une adresse sur une enveloppe et même pas besoin d'affranchir avec un timbre, ça n'a même pas coûté 50 centimes, parce ça n'a rien coûté. Quand on écrit à la présidence, c'est pas besoin d'affranchir. Ouais, ça, pas besoin. Okay.
Donc après, on peut écrire à d'autres institutions où il y a nécessité d'affranchir, mais bon, à 55 centimes du timbre, je ne sais plus s'il est plus à 57, mais enfin, un timbre, c'est rien, c'est pas non plus ce qui, même quand on est fauché, on peut encore payer un timbre. Mais viser le spam de courrier physique à une institution, c'est extrêmement visible et ça fait extrêmement peur à ceux qui nous dirigent. Voilà un exemple de... Ça, c'est une solution simple, ça, c'est pas trop compliqué en plus à mettre en œuvre. C'est très facile, c'est juste une question de sortir de son point de vue partisan ou de ses petits combats à soi et de se dire ben, on peut se concerter et envoyer tous en même temps quelque chose. Moi, sur Facebook, j'avais ouvert un groupe qui s'appelle Les Courriers de la Révolte, j'incite tout le monde d'ailleurs à le rejoindre, à le chercher, où c'était un petit peu le but, c'était que chacun publie ses courriers pour qu'on ait des exemples, des modèles, et dire à un moment, puisqu'il y a beaucoup de monde, eh ben, on se concerte sur une date et on envoie tous en même temps à la même date le courrier à telle institution. Et si on est 1000, 2000, 3000, voire 10 000 et, ou au-delà, je peux vous assurer que ça va ruer dans les brancards là-haut. C'est une super idée, moi, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous qui nous écoutez, mais voilà, l'idée des courriers, je trouve assez simple. Et, effectivement, ça peut avoir une incidence, tu penses qu'ils peuvent... C'est quoi la... Oui, parce que tout le monde oublie, en fait, la... Moi, je ne suis pas trop dans les thèses conspirationnistes parce que il y a quelque chose qui m'excède à faire croire qu'il y a toujours il y a toujours un peu de conspiration, de complot entre les gens qui nous dirigent, c'est rien par rapport à l'idée de carriérisme, à l'idée de confort, à l'idée de se dire on est au sommet de l'État, c'est cool. Ces gens-là n'ont que des points de vue strictement personnels à défendre, c'est des ambitions personnelles. Et on oublie qu'ils sont comme nous, hein. Ils vont aux toilettes tous les jours, ils ont une psychologie, ils ont un moral qui est plus ou moins élevé en fonction de ce qui s'oppose à eux, en fonction des zones de stress. Et notre but à nous, c'est que quand on a un larbin qui est à la présidence de la République, qui est déjà le larbin du peuple français constitutionnellement, mais qui se trouve être aussi le larbin des États-Unis en ce moment pour nombre de raisons qu'on connaît, il n'a absolument pas la stature d'un chef d'État, il n'a absolument pas le charisme de quelqu'un qui gouverne, qui a une autorité. Donc, un larbin, on lui donne ses ordres et on le stresse en lui disant « tu vas obéir ». Et il faut comprendre la psychologie des gens en se disant « ces gens-là ne sont pas des robots, ce sont des gens qui sont soumis au stress et on peut les stresser jusqu'à leur faire perdre prise ». Alors là, on nous dit « c'est télé de cacahuètes ». C'est pas avec des quenelles et des ananas que le peuple va retrouver sa souveraineté contre l'armée toute puissante de Monsieur Valls quand même. Moi je suis assez d'accord parce que d'abord moi je m'éloigne du combat de Dieudonné, c'est pas que je ne suis pas d'accord avec certaines choses qu'il peut véhiculer. Le problème c'est que son combat est trop spécifique et que si l'on considère qu'on récupère notre souveraineté pleine et entière pour assainir l'État de différents lobbies qui peuvent corrompre, et je ne parle pas que d'un micro-lobby entre guillemets juif, mais vraiment d'un lobby des lobbies financiers, on parle souvent de la franc-maçonnerie, du Club du Siècle, enfin il y a beaucoup de lobbies qui interagissent, des puissances économiques qui sont pour moi autrement plus agressives, ou de l'OTAN en elle-même, ça c'est un lobby qui me fait bien plus peur. Quand on assainit, quelque part, on fait voter des lois anticorruption, des lois qui permettent de dire qu'il y a une certaine représentativité politique à avoir. On peut imaginer une constituante qui soit beaucoup plus protectrice. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc quand on oriente tout sur un combat, sur un lobby en particulier, avec toute la charge émotionnelle de l'histoire qu'il y a derrière, et puis justement la puissance médiatique qui va dans l'intérêt de ce lobby, je dirais que c'est que ce combat soit là, c'est très bien, mais on est en train de fabriquer des symboles avec l'ananas et la quenelle qui ne sont spécifiques qu'à une partie des Français qui sont intéressés par ces sujets, qui vont cliver les autres Français qui vont, malgré ça, de l'antisémitisme à tort ou à raison. Ouais, mais il appuie là où ça fait mal quand même. Il appuie là où ça fait mal sur certaines choses, mais c'est vraiment monocentré sur un sujet très spécifique et il clive tous ceux qui ne veulent pas rentrer dans ce combat, en ont peur ou vont considérer comme antisémites. Je ne cherche pas à savoir s'ils ont tort ou raison de faire ces accusations-là. Ce que je constate simplement, c'est que du coup, ils se coupent d'une autre partie des Français qui sont très militants. Moi, je pense notamment à tous les gens de gauche de façon générale ou de communistes qui sont très gênés avec ces questions-là et pourtant qui ont des sacrés réseaux militants, qui ont les syndicats avec eux.
qui ont une certaine expérience à faire valoir, qui connaissent bien les questions de création monétaire, d'oligarchie bancaire, de traités européens, eux aussi. Et moi, me couper de ces gens sous prétexte de m'intéresser à un combat très particulier qui est celui de Dieudonné, je trouve ça pas utile. C'est pas pertinent. Mais est-ce que c'est un combat où généralement moi j'ai l'impression qu'il se défend Dieudonné parce qu'il est attaqué finalement. Ah bah il faut. C'est pas lui, il attaque quoi? Il attaque qui en fait? Non, je pense qu'il se défend plus qu'il n'attaque. Ah oui? C'est depuis donc ce sketch qu'il avait fait dans je ne sais plus Bah c'était quel. chez Fourier, mais Voilà. c'était un sketch en plus, bon. Humainement, moi, c'est pour ça que je ne taxe pas d'antisémite, contrairement à certains. Je pense que sa fréquentation avec Soral n'est pas bonne, parce que Soral, lui, une patate grosse comme ça, et me fait penser vraiment à certains fascistes, dans le sens le plus pur du terme. Non, non, mais réellement, hein, du côté de la. Comment C'est dire? la doxa là, Sylvain, c'était Non, doxa. c'est du C'est point de vue du la caractère. Dans le sens, caractère. si ce mec-là atteignait le pouvoir, si ce mec était porté au pouvoir, son côté très autoritaire et son côté j'ai la tête grosse comme ça, ferait que la démocratie, d'ailleurs qu'il n'aime pas tellement, il l'a dit lui-même, il me semble, dans une interview quand il était au Japon. Non, il n'aime pas la République, il me semble. Mais Ouais. bon, la République. Bon, il a l'air un peu fâché quand même avec ce truc-là, et quoi Il qu'il n'a pas risqué arrive. grand-chose de la République. Hein. Moi, je suis pas un républicain, donc Bon, je bah vais voilà, tu pas. connais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que ce gars-là, pour moi, est à mon sens un peu dangereux dans son caractère. Je parle de psychologie, je ne m'intéresse pas à ses idées, je m'intéresse à la psychologie des gens. Ce mec-là est un peu plus dangereux que nombre de gens qui peuvent porter un combat. Dieudonné, à mon sens, n'est pas quelqu'un de dangereux, c'est un humoriste. Il n'a fait que se défendre, moi, si j'avais été lui dans son même métier, je me fais dézinguer par toute une oligarchie médiatique et politique parce que j'ai fait un sketch sur le sionisme, alors que tout le monde sait, même à gauche, que le sionisme est une idéologie absolument exécrable, qui fait des morts en Palestine. Il y a un moment, je comprendrais que moi, je me défendrais aussi. Simplement, c'est un combat personnel et c'est un combat qui est, quand bien même noble sur les questions qu'il soulève, ne fait que cliver les gens, et peut-être que la seule chose que j'ai appris de l'UPR et que je garde, du coup, quand tu me parlais de l'UPR, c'est peut-être effectivement qu'il faut peut-être pas trop cliver la population française. Ouais, mais ouais. Pas pour le moment. Mais est-ce que tu vois tout ça n'est pas, sont pas les vieux démons de la société française finalement? Parce que cette histoire de sionisme et qu'elle en vient à, on va dire, au travers de cette blague, parce que finalement, moi, pour moi, c'est une blague. L'histoire de la Oui. quenelle, ça ressemble Oui. à une Pour moi, c'est énorme un bras blague. d'honneur au Non, système mais de c'est un façon bras plus d'honneur au générale. système, et ça a tourné une espèce de. C'est des blagues, puis ça tourne au vinaigre, puis ça devient de l'huile de moteur. Enfin, je sais pas, Ouais. c'est un truc de fou ce qu'ils ont fait avec ce truc-là, qui à la base est une blague, qui a un fuck au système. On va dire tout simplement une espèce de doigt d'honneur à l'inversé. Enfin, Oui. moi je le voyais comme ça, je voyais ça, genre vas-y, je te fais un gros bras d'honneur. Et en fait, c'est du n'importe quoi, l'histoire du salut nazi. Bah, ça, c'est Les la gens qui font la propagande. quenelle, c'est pas des Bien fachos, c'est sûr, mais pas. ça, c'est la C'est propagande pareil. qui vise à faire ça. Moi, ce que je constate qui m'intéresse beaucoup plus dans cette histoire de la quenelle, c'est moins ce que dit la propagande que ce que M. Valls est en train d'essayer de faire, c'est-à-dire violer la Constitution et nos droits fondamentaux quant à la liberté d'expression, la liberté de penser. Et d'ailleurs, je vais passer un certain message à quelques gauchistes qui commencent à m'insupporter sur ces thématiques-là. La liberté d'expression est un empire. C'est pas quelque chose où on dit on peut avoir un peu de liberté d'expression pour ceci, mais dès lors qu'on commence à chagriner par rapport à certaines thématiques, quand bien même ce serait justifié par la morale, on l'interdit. Non, la liberté d'expression, elle est soit totale, soit elle n'existe pas. Elle ne peut pas être entre les deux. Il y a effectivement des thèmes moraux qui, au fil des époques, évoluent. Le racisme, de façon universelle et intemporelle, est effectivement un sujet qui ne doit pas être tabou, mais qui existe. Il y aura toujours des gens racistes. Et ce n'est certainement pas en contraignant les gens qui sont racistes d'exprimer leurs pensées ou de penser simplement qu'on les encouragera à changer de point de vue. Ils seront d'autant plus racistes si on les contraint. Ouais, mais en plus, que veut dire raciste? Parce que moi j'ai du mal aujourd'hui avec le mot raciste à cause des gens qui soi-disant sont les protecteurs de l'antiracisme. Qui se prénomme la LICRA, qui se prénomme le CRIF accessoirement, qui Oui, se mais. prénomme SOS Racisme. Et moi, je n'en peux, moi ces gens-là, je n'en peux plus, quoi, parce qu'ils sont, ils constamment, ils attaquent,
ce Katak. Oui, mais à la... Ce Katak, c'est une police de la pensée. Tout à fait. Bah, c'est de toute façon, on a bien constaté que le discours de ces gens-là se démontre très facilement, puisque bah déjà, quand on voit ceux qui suivent Dieudonné, on constate que la majorité des gens, enfin il y a une bonne partie des gens qui suivent Dieudonné qui sont justement d'origine ethnique et confessionnelle diverses et variées en France. Ce qui signifie que déjà le message antiraciste, entre guillemets, de la LICRA et toutes les officines de ce genre-là ne les atteint absolument pas et j'aurais tendance à dire qu'ils considèrent que c'est plutôt un message raciste, puisqu'il est communautariste en lui-même. Il est communautariste puis il est contradictoire. C'est-à-dire que pour moi, si tu veux, quand je vois, après voilà, on parlait tout à l'heure de Soral et de sa personnalité qui effectivement fait débat, puisqu'il y a des gens pour, des gens contre, partout, il irrite des gens, rien qu'à prononcer son nom, ils sont irrités, d'autres ils ne veulent même plus vous serrer la main. Donc voilà, c'est devenu un curseur en lui-même, Soral. C'est aussi un faux intellectuel. Moi j'ai lu son livre et j'ai pas. Enfin, je m'attendais à trouver quelques sources sur ce qu'il pouvait expliquer. Mais quoi qu'il arrive quand même si. Alors moi j'ai l'habitude de dire Soral, tout le monde déteste, mais tout le monde écoute quand même. Ouais. C'est comme la Starac. Et il y a un truc qui est quand même, moi je suis obligé d'admettre, c'est que sur ces histoires-là, est-ce qu'on lui donne raison. Moi je vois le Hollande, il est parti se coucher. Tout à fait, le dîner du CRIF. Il se couche, il rentre, même il en Israël. Seul. Je veux dire, c'est... Ça ne donne que raison. Tout à fait. Ça donne de l'eau au moulin. Oui, mais le problème, c'est que derrière... Il a fait décrire finalement une situation en disant, regardez, moi je vous dis, c'est comme ça que ça fonctionne, mais il n'y a rien qui ce me dit que moi tort, je crains, ce que je crains, en fait, dans tout ça, c'est que je trouve que la France ressemble beaucoup à l'Allemagne des années 30. Pourquoi? Parce qu'il est fort probable que lorsque les petits nazillons qui émergeaient à l'époque évoquaient des problèmes de corporations juives qui étaient intriqués dans les appareils d'État, il y avait sans doute les mêmes causes qu'aujourd'hui on voit en France, et si on avait simplement réglé les causes par des points de vue simplement légaux et constitutionnels sur le fait que les lobbies ne doivent pas influencer la bonne marche de l'État, il n'y aurait pas eu besoin de verser dans un extrémisme. Le problème, c'est que comme ces forces aujourd'hui qui ont effectivement les médias et une partie des appareils politiques sont en train d'exacerber les choses au lieu de chercher à les apaiser. Elles sont en train d'abord d'amalgamer la plupart des gens juifs en France qui ne sont absolument pas sionistes ou qui n'ont pas forcément une bonne place dans des médias et qui se foutent complètement de ce genre le de problème-là. Peuple, on va dire, voilà. Voilà. Et je suis certain que la majorité des juifs en France, puisque je connais beaucoup de gens juifs qui ne sont pas du tout dans ces délires-là, et voilà, se sentent pas du tout représentés, mais en plus... On aurait raison de se montrer inquiet parce que justement, c'est comme ça que les amalgames finissent par se créer, et Soral d'ailleurs en fait beaucoup parce que désormais il ne distingue plus sioniste et juif. On le voit dans ses vidéos. Il distingue de moins en moins le fait de. D'abord parce que il y a déjà. C'est un débat complexe parce que le sionisme est une idéologie pro-israélienne et les gens qui sont dans les officines dont on parle sont des micro-lobbies de confession juive d'origine, qui sont sionistes par idéologie, mais leurs intérêts sont en France. Donc ce n'est pas le sionisme qu'ils défendent en priorité, c'est d'abord leur place, leur carrière et leur point de vue. Moi, ces gens en plus sont basculés d'une idéologie en plus qui est racialiste, parce que pour eux, être juif, c'est une race. C'est une religion. Je pense pas que encore une fois, je ne pense pas que tous les juifs pensent comme ça. Ensuite, tout le monde a des ressorts culturels qui font que des Français de souche considèrent qu'ils ont si on peut parler de Français de souche, parce que je ne sais plus ce que ça signifie aujourd'hui, mais ils vont être dans une identité blanche européenne, et d'ailleurs c'est souvent des européistes, comme quoi c'est pas forcément les gens d'extrême droite qui sont les plus patriotes. On va avoir des Arabes, des Chinois, des gens de toutes origines qui vont considérer que leur communauté originelle est toujours la meilleure pour différentes raisons. Actuellement, on a un communautarisme islamique qui est en train de monter en France, avec une sorte de refuge dans des valeurs musulmanes qui sont de plus en plus d'ailleurs exacerbées au-delà de leur réalité. Et c'est simplement une sorte d'identification pour se protéger. Les gens cherchent des valeurs à travers leurs origines confessionnelles ou culturelles pour exister. Oui, mais tout est fait dans ce sens-là, parce que la gauche, elle pousse dans ce sens-là. Oui. La gauche, elle, 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 elle,
elle presque elle exulte Mais, ce multiculturalisme, tout elle simplement parce l'exacerbe. que, tout simplement parce qu'elle a bien compris la petite phrase qui dit qu'il faut diviser pour mieux régner. Voilà. C'est Et puis tout. c'est un espèce de fonds de commerce électoral, j'ai l'impression, parce que ils ont plus les ouvriers de la gauche, soyons clairs. Oui, Ils n'ont plus les bah, il n'y a ouvriers. déjà Les plus ouvriers, d'ouvriers. ils sont au Front National, voilà. Et puis quelques-uns encore perdus au PC. Il faut qu'ils aillent chercher leur fonds de commerce dans la banlieue. Et la banlieue, c'est quoi? C'est le communautarisme. Parce que moi, je dis ça, c'est parce que j'ai analysé un peu comment les maires, ils fonctionnaient. Et tous, ils sont tous avec leurs associations communautaires qui. Tout à fait. Non, mais ils savent très bien qu'ils peuvent trouver un électorat pour pouvoir continuer les mandats. Mais j'ai pas l'impression que ça marche tant que ça, parce qu'ils vont même les chercher à l'étranger. Moi, je me suis amusé à aller sur les pages Facebook des principaux dirigeants socialistes notamment. Et moi, je suis toujours impressionné de voir des gens de Côte d'Ivoire ou de pays réellement en Afrique qui disent c'est magnifique ce que vous faites à chaque déclaration, en se disant mais qu'est-ce que tu connais de la politique française pour pouvoir dire ça, toi qui vis dans un pays aussi éloigné. Donc je pense qu'ils les cherchent et la fameuse loi là qui voudrait faire sur le droit de vote aux étrangers, je pense qu'elle n'est pas du tout innocente. Il s'agit de dire puisqu'on a une grande communauté qui est étrangère en France du fait des dérégulations migratoires, ce sont des petits échanges de bons procédés. Hein. On vous donne le droit de vote pour que vous votiez pour nous, pour continuer de nous installer, et Bien sûr. derrière, vous avez quelques avantages. Parce que la gauche, elle considère quand même presque acquise cette partie de la population en se disant de toute façon, tout ce qui est en banlieue d'origine immigrée, c'est des gens qui doivent voter à gauche. Oui. Mais là, c'est un peu un bug de la matrice avec Soral. Soral, il leur a mis quelque part, il leur a dans la CU Ah parce bah, que il c'est leur a fait un bug dans la matrice, là. de ce côté-là, on peut pas le condamner sur ce point de vue, parce qu'il est vrai que son propos et le propos d'égalité réconciliation de façon générale, plus encore celui de Dieudonné, qui moi m'intéresse plus encore que celui de Soral, hein, clairement, a réellement joué le jeu de retourner le système de ce point de vue-là. Maintenant, je pense qu'il faut quand même avancer et sortir du cadre des problèmes communautaires, qu'ils soient liés à un combat contre une micro-corporation juive qui est dans les appareils d'État ou médiatiques, ou le fait de dire est-ce que comment c'est quoi être musulman en France et quoi être machin en France aujourd'hui. Je pense qu'il faut en sortir et se dire simplement c'est quoi être français et quels sont nos intérêts communs. Mais oui, justement, cette génération-là, moi j'ai l'impression qu'elle se pose cette question-là, qu'on arrive au stade où ils se disent, tu sais, là, les images de voir quand même ces jeunes d'origine immigrée avec des drapeaux français, crois-moi, tu sais que très bien qu'il y a 10-15 ans, c'était même pas la peine d'y penser. Ouais, mais derrière un drapeau, tu sais très bien ce qu'on peut y porter, toutes les valeurs que l'on souhaite. J'en connais C'est pas. un début, mais derrière, si un drapeau, c'est finalement un combat identitaire personnel ou communautaire personnel pour exister en tant que Français, mais avec des origines diverses et variées, c'est peut-être pas encore ça. Ça signifie que au final, on est en train encore de se poser la question de savoir si on est vraiment français, puisqu'on est en train de chercher à marier une culture Bah, originelle. peut-être que accepter le drapeau déjà de base, c'est accepter déjà C'est un premier pas. le fait d'être français. Parce que avant, il s'agissait de même pas accepter un drapeau, qui était déjà hautement symbolique, puisque le fait de refuser le drapeau comme avant, ça voulait dire je refuse cette filiation Oui. française absolue. Alors que maintenant, la filiation, elle est de plus en plus acceptée, et je sens que ça, c'est. Pour moi, il y a une renaissance de quelque chose parce que la gauche, la gauche est anti-France, clairement. Je pense pas Elle que toute la développe, gauche soit anti-France. pas toute, non, mais elle a développé, surtout les socialistes, un anti-France. Et à droite, ils jouent la carte, on va dire, patriote France, Ouais. mais tous les faits sont inverses, puisqu'il, hein, je veux dire, Bah, déjà, il Sarkozy, il a faut vendu la France, diviser un l'UMP. petit peu tout ça, parce que d'abord, gauche-droite, je fais très attention. Moi, UMP-PS, c'est de la droite pure, ce sont des capitalistes. Ce qui différencie aujourd'hui les questions de gauche-droite sont principalement des questions sociétales et pas forcément des questions économiques ou institutionnelles, à très peu de choses près. Ce que je constate, c'est qu'il y a une différence entre les responsables politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche, et les militants sur le terrain. Les sympathisants sont des simples Français comme toi et moi, qui au final se foutent un petit peu des paroles d'évangile de M. Mélenchon ou de Mme Le Pen ou d'autres notoriétés politiques. Ils s'intéressent à qu'est-ce qu'on fait pour sortir des choses. Et pour le problème qu'on a actuellement, que j'avais connu à l'UPR, mais que finalement on retrouve dans tous les partis politiques, c'est qu'on a toujours des gens qui
sont tellement sombrés dans l'apathie que dès lors qu'ils voient une autorité qui a un petit peu de charisme, donc Madame Le Pen et Monsieur Mélenchon sont charismatiques d'une certaine façon, Asselineau aussi est quelqu'un d'assez charismatique, il y a plein de gens comme ça qui ont un peu de charisme, ils se disent, ils en font un gourou. Et ils identifient toute leur pensée politique à la pensée politique de ces notoriétés en occultant ce qu'ils pensent réellement, se dire comment on fait pour travailler ensemble, est-ce qu'on défend les Français ou est-ce qu'on défend la gauche ou est-ce qu'on défend la droite? Donc c'est pour ça que je suis très mal à l'aise avec ces questions de gauche-droite, parce que moi déjà là-bas ça me gonfle, mais je pense aussi qu'on ne peut pas dire que la gauche est anti-France. Je pense que certains responsables politiques de gauche sont anti-France, tout comme certains responsables politiques de droite sont anti-France aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le chat? Parce que les gens, donc, il y a Efeu, il y a Malababs, il y a Tête de Cacahuète, il y a Apollo de Lisbonne, il y a Emiac, il y a Eleftheros. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bonsoir, très bonne initiative, j'adhère. J'y avais pensé cet été en créant également une collecte et un apport direct par l'intermédiaire d'une marche passant par les campagnes de France. Ouais, bah, ça, c'était par Ah, rapport pas à mal. ce qu'on disait avant, je pense, à d'envoyer le courrier. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit aussi? Alors, ça, c'est Eleftheros. Oui, mais aujourd'hui, les hommes politiques reçoivent plus que des revendications, et ce, par bon nombre de personnes. Ils sont fréquemment appelés à la démission, comme l'élu fréquent fait à Hollande. Ouais, ça n'y a pas tard. Qu'est-ce que nous dit Efeu? Je suis preneur, comme je dis, il faudrait passer aussi par des particuliers dans la France dite profonde pour récolter les courriers et créer une dynamique. De plus, cela permet vraiment de rapporter vers le haut des faits locaux concernant les problèmes réels de la population. Tu vois, comme Voilà, l'idée moi du je suis. courrier, je trouve c'est vraiment à faire, parce que tu vois, tout le monde pense que c'est effectivement facile à C'est mettre en facile à place faire et à l'ère ça peut numérique. avoir. Alors, Efeu qui dit, pas d'accord avec toi sur Soral. Alors, avec qui? Avec Sylvain ou avec moi? Je pense que Bon, ça va être avec c'est moi parce peut-être que avec Sylvain, forcément. alors, parce qu'attention, il y a pas mal de Front-Soraliens. Hein, alors, Eleftheros, la psychologie de Soral est ce qu'il faut à la France. Nous ne sommes pas en Suisse ou en Belgique. 60 millions d'habitants doivent être réunis derrière un leader charismatique. Monsieur Baron critiquait lui-même le charisme flasque d'Hollande. Alors, je vais répondre à ça parce que quand même, je trouve qu'elle est assez intéressante. Alors, effectivement, quand on regarde l'histoire de France, effectivement, nous avons eu une longue histoire monarchique. Et si on s'intéresse un peu à la Constitution, ou du moins comment on l'écrirait nous, moi, je suis, on va dire, un espèce de royaliste républicain. C'est-à-dire que je pense qu'il faut un souverain à élire pour le temps long, qui ait un regard sur les exécutifs qui passent, donc des exécutifs élus, c'est-à-dire des gouvernements, et qui puisse, si un jour un nouveau Staline ou un nouveau Hitler qui passe, puisse dire, je pose mon veto sur cette personne, j'ai le temps long pour moi, j'ai vu différents gouvernements passer, ce mec-là est dangereux, on le jarte. On peut lui attribuer deux, trois autres pouvoirs, comme empêcher une guerre ou faciliter un référendum, mais rien de plus. Il est simplement une institution qui, il ou elle, hein, parce que ça pourrait être une femme, une institution qui simplement représente l'histoire de France, donc un patrimoine culturel, une identité, d'une certaine façon, et quelque chose qui est pérenne. Derrière, il faut effectivement, dans une démocratie qui fonctionne, à mon sens, un parlement qui ait certains pouvoirs et qui soit réellement représentatif de la pensée populaire, et je suis assez d'accord avec Chouard sur le tirage au sort, mais derrière, il nous faut un exécutif qui soit puissant, c'est-à-dire, moi c'est ce que je pense, après d'autres gens auront d'autres pensées, mais à qui on attribue que ce qui est strictement régalien et la planification économique et sociale. Pourquoi? Parce que si nous avons un régime purement parlementaire où des gens qui sont mous et qui n'ont pas d'idées, qui sont influencés par des lobbies, mais pour moi c'est pareil au même, un régime parlementaire n'est pas cohérent. Pourquoi? Parce qu'on va avoir des communistes d'un côté, des libéraux d'un autre, des capitalistes d'un côté, des croissants de l'autre, et ces gens ne peuvent pas s'entendre sur une politique économique cohérente. Tandis qu'un exécutif qui est fort et dit j'impose parce que j'ai présenté un programme aux Français, bien détaillé sur un plan économique sur 5 ou 7 ans en fonction du temps qu'on lui accorde. Voilà, il va y avoir telles étapes à passer. Moi, en tant que décroissant, par exemple, je dirais, deuxième ou troisième année de mon mandat, je sais que je vais démanteler les hypermarchés parce que c'est une nécessité. Mais derrière aussi, je suis en train de me dire, on va former beaucoup d'artisans et de commerçants libéraux parce qu'il faut remonter l'emploi qu'on est en train de détruire de l'autre côté. Donc il y a une question de cohérence et un exécutif fort peut le faire, tandis qu'un régime parlementaire ou des gens qui n'ont pas de charisme de façon générale à la tête d'un exécutif ne pourront pas être cohérents. Donc je suis d'accord avec ce que dit cet internaute. Pour autant, je ne pense pas qu'on a besoin d'un Soral,
avec toutes les difficultés de personnalité qu'il pose, parce que Sora n'est pas, enfin clairement, il faut être clair, même quand bien même je me tromperais sur sa personnalité, qu'avec Sora, il est quelqu'un qui clive énormément en France. Un chef d'État qui peut réussir à, comment dire, à avoir toute la France dans sa poche est quelqu'un qui ne va pas cliver les Français en fonction de leurs opinions, notamment sociétales. Sora a des points de vue très clairs sur le mariage gay, par exemple, qui n'appartiennent qu'à lui. Il a des points de vue très clairs sur d'autres questions sociétales. Et de fait, il a toute la droite de son côté parce que la droite, de façon exagérée, on la considère comme réactionnaire sur certains sujets, et la gauche, de façon générale, on dit qu'elle est plutôt libertaire. Moi, je suis quelqu'un de plutôt libertaire, donc par exemple, sur le mariage gay, j'ai été effectivement gêné avec l'histoire du droit à l'enfant comment dire, j'oppose au droit de l'enfant. Mais pour autant, le fait de dire on peut donner, dans le cadre du mariage civil, un symbole à des gens qui sont homosexuels sur leur amour, ça me gênait absolument pas. Et les gens de droite là-dessus, je ne suis pas d'accord avec eux. Sora, lui, prend une position très claire et pour moi, un président de la République ou un chef d'État, de façon générale, un premier ministre, ne doit pas s'intéresser à ces sujets, ça ne les regarde pas, ça ne regarde que les Français dans le cadre d'un référendum ou à la rigueur un Parlement qui soit réellement représentatif. Et Sora n'a absolument pas pour moi l'envergure d'un chef d'État parce que lui-même est quelqu'un qui clive la population. Contrairement à De Gaulle, qui, à mon sens, était vraiment le parfait, la parfaite personne pour incarner un exécutif, parce qu'il se contentait d'agir sur des questions purement économiques et géopolitiques la plupart du temps. Ouais, mais De Gaulle, c'était un homme politique de base quand même, alors que Soral, c'est un intellectuel, c'est un écrivain, c'est pas. Un intellectuel, c'est. Bon, Faut vraiment lire son livre. intellectuel, c'est un terme, on paraît que c'est les autres qui vous le donnent. D'ailleurs, y a plein de réactions, tu sais, tu prononces Soral, alors là, qu'est-ce qu'on dit? Plus un sur Soral, il n'est pas parfait, personne, c'est sûr, mais il fait le taf. Ensuite, ça c'est Métasman. Après, il y a Emiak. Perso, j'aime bien les idées à Soral, mais pareil, je ne voudrais pas l'avoir pour dirigeant. Un tapolo de Lisbonne, on peut pas laisser dire ça de Soral, s'il vous plaît, c'est faux. je l'écrangle. Alors, il y a QSR qui nous dit bonsoir. Salut QSR. Allô futur, bonne année à tous et à toutes. Plutôt d'accord sur Soral, mais là, il faudra faire l'union sacrée. Il y a la bonne analyse, mais pas les bonnes réponses. Voilà, on nous dit aussi, Apollo de Lisbonne, c'est pas les idées à Soral qu'il faut voir, mais les analyses qui sont pertinentes. Ou alors, Talikaji, Soral face aux bien-pensants et la personne charismatique est pour l'instant le seul à s'y opposer catégoriquement, comme le pourrait le Poutine d'une main de fer. Gaffe, pas là, tu dérapes. Ah bon? Moi, je vois pas où. Soral est un bien-pensant, je vous permets pas de le critiquer. C'est impoli de parler d'absent de la sorte, ça c'est LKJ. Ça va, c'est un personnage public maintenant, on peut parler. QSR, ceux qui se disent juifs mais ne le sont pas, forment la synagogue de Satan. Ouh là, là on Oui. est. Je connais en plus hein, ce principe de la synagogue de Satan. Il est pas tout à fait dans le faux, moi, ce cher, pas du tout même. Alors il y a Joe, il faudrait que tout le monde voit ce reportage, Diffamation, où on constate comment l'État d'Israël conditionne sa jeunesse dans la haine et le repli. Tout à fait mon cher. Et il est en plus en programmation sur Meta TV, c'est Diffamation de Yoav Shamir. Et avec la QSR, oui, Israël reste le pays raciste par excellence. Donc. C'est Bon, tu pas vois, personne. voilà, c'est Mais réaction, on va dire, mitigée. mais tu vois, on a la Tu preuve vois, justement qu'un personnage comme Soral, moi c'est pas Soral en lui-même qui m'intéresse, mais plutôt quel type de personnalité on a besoin en France pour fédérer les gens, parce que malheureusement, on cherche toujours un chef, hein, c'est aussi vieux que le monde est monde. Ouais, bah oui. Malheureusement, je n'en vois pas apparaître, quand bien même je suis passé par l'UPR, pour moi, ce n'est pas Asselineau qui incarnerait forcément le meilleur chef non plus, hein, le meilleur chef d'État. Soral, encore moins parce qu'il est ultra clivant. Donc, à partir du moment où moi je considère qu'il faut travailler tous ensemble, toutes les forces militantes qui ont compris les questions monétaires européennes, parce que je m'intéresse vraiment à du dur, du droit ou de l'économie, et j'évite justement de tomber dans ce genre de piège, ce que je n'y arrive pas ce soir, donc je suis obligé de me prononcer un peu, mais voilà, je pense qu'il y a aussi, j'espère qu'une personne apparaîtra pour incarner cette volonté de rassemblement des Français, mais je ne crois pas que Soral ait exactement la bonne personnalité. Il faut quelqu'un qui soit beaucoup plus consensuel et en même temps qui ait une certaine autorité et qui sache éviter justement de tomber dans ce genre de piège, je pense.
Donc ça ne signifie pas qu'il ne faut pas des gens comme Soral pour agiter le cocotier sur certains sujets. Simplement, ils resteront toujours cantonnés à leur sujet, quoi qu'il arrive. Mais moi, je trouve que, c'est-à-dire quand on a leur sujet, c'est-à-dire les sionismes, le sionisme, etc., je trouve que oui, c'est vrai qu'il en parle, mais quand on voit le travail dans l'ensemble, et là, je parle très objectivement, hein, ce travail d'ensemble d'égalité-réconciliation, c'est-à-dire ils essayent quand même de porter la parole sur d'autres sujets, quoi. Il n'y a pas que le sionisme. Ça, Bien sûr, ce mais serait réducteur de les mettre que dans ça. moi, Parce qu'ils font pas mal de taf à autres. Hein. je vais te dire un truc pourquoi à la base je suis assez fâché avec Soral et Égalité et Réconciliation. Il y a quand j'ai commencé à. Tu connais mon projet de journal Poil à gratter. Je me bats encore pour le sortir, il y a des choses qui avancent, mais au moment où j'avais de bonnes raisons de penser que ça allait enfin pouvoir sortir rapidement, j'étais parti au QG d'égalité et réconciliation à Saint-Denis, et donc j'avais pas une armée de comment ils s'appellent les petits cinglés de la LCR, c'est ça, non? Les petits cinglés de terroristes La DG. sionistes, LDJ, merci. Je n'avais pas une armée de LDJ qui était derrière moi et qui voulait en découdre. J'étais tout seul dans une zone industrielle désaffectée et je voulais simplement discuter avec les gars qui étaient dans le bureau pour dire voilà, j'ai un projet de journal, ça pourrait vous intéresser dans le sens où je voudrais que des gens qui peuvent être communistes et méchamment opposés à vous puissent discuter par le journal avec vous. Et de voir en quoi il y a des points de commun et des points de divergence, mais de toute façon éduquer la population française en lui donnant comment dire, un regard critique sur de nombreux de sujets, avec différentes pensées qui peuvent être très antagonistes, mais qui se rejoignent sur certains sujets. Et ces gens-là n'ont pas voulu m'ouvrir quand je les ai appelés, parce que sur consigne de M. Soral, si j'ai bien compris, il ne faut pas s'ouvrir au monde et. Soi-disant pour des risques justement, par rapport à des petits cons de la LDJ qui viendraient faire chier, ils avaient quand même la possibilité de m'ouvrir, à se dire, voilà un projet alternatif et militant qui vaut le coup, ça vaut le coup de discuter 10 minutes, boire un café avec la personne, et voir comment on peut travailler ensemble, s'il y a moyen de travailler ensemble. Donc, pour moi, égalité-réconciliation a tourné sur un côté sectaire et je connais de nombreux anciens d'égalité-réconciliation qui m'ont confirmé la chose. Tout est à la gloire de Soral pour le coup et c'est quelque chose que je n'aime pas. J'ai quitté l'UPR parce que j'en avais marre des comportements sectaires de certains UPR qui ne font que répéter en perroquet ce que disent Asselineau. J'en ai marre de voir des gens qui répètent en perroquet ce que peut dire M. Mélenchon. J'en ai marre de ce genre de comportement où finalement les gens n'ont plus d'esprit critique et sont plus capables de penser par eux-mêmes. Certes, M. Soral peut dire des choses qui peuvent être intéressantes. Maintenant, quand on creuse un petit peu dans le fond, tant sur le point de vue financier, il y a eu une excellente enquête, je ne sais plus où j'avais lu, que sur la structure d'égalité et réconciliation et son fonctionnement, même Chouard, à un moment, avait été critique en disant qu'il avait été simplement repris dans ses conférences, mais lui était content que qu'il y a un nouveau canal pour qu'il puisse être visible, mais il n'était pas dans l'idée de dire je rejoins égalité et réconciliation, je suis à fond dedans, quand bien même il est d'accord sur des questions de sionisme. Bon, au moins Chouard a le mérite d'être indépendant, d'être quelqu'un qui est critique et de garder une certaine neutralité. Et quand on est dans des officines comme ça où ça tourne justement sur des comportements sectaires, je fuis, très clairement. J'aime vraiment que les gens avec qui je discute et qui veulent travailler pour résister en France ne soient pas ostracisés dans un schéma de pensée particulier, qui soit limité ou qui soit à la gloire d'une seule personne pour qui incarne selon eux leurs idéaux. Ouais, parce que c'est vrai qu'on lui reproche d'être bon, d'avoir, on va dire, d'être le seul homme de son parti, hein, très connu. Mais ça, c'est le propre de beaucoup de petits partis français, même l'UPR, finalement, ça Mais se même des grands rattache. partis, hein, même des très grands partis. Bah, les très grands partis, surtout quand il y a un homme fort à la tête, hein, l'UMP de Sarkozy, il n'y avait que Sarkozy. Oh, mais même sans homme fort, on voit bien que par exemple, l'idéologie PS, quand on voit des jeunes freluquets qui débarquent au PS, donc n'ont pas de culture politique et pensent que le PS est encore un organe socialiste, on écoute leur propagande qu'ils peuvent desservir dans la rue, si on les interroge sur le libre-échange, ils vont nous dire, mais mon Dieu, si tu veux réguler les échanges commerciaux dans le monde, tu es dans le repli nationaliste. Ils ne font que répéter une idéologie qu'on leur matraque à la tête, quand bien même ils n'ont pas de personnes auxquelles s'identifier.
Donc certains OPS vont chercher Montebourg parce qu'ils vont se dire au moins lui il est un petit peu plus de gauche, Oui. il est un peu plus dans la régulation, mais ils sont super pro-Montebourg, ils ne s'identifient qu'à lui. D'autres vont s'identifier à Hollande, je ne sais pas comment, je Bah, ne me c'est pose ça, encore la c'est-à-dire question, qu'en mais. fait, ouais, on a retiré la pensée politique. Tu penses que les partis, en fait, ont une capacité à vider la substance, en fait, politique de chacun, quoi. Je Un crois que peu. pas que ce soit seulement les partis C'est quoi? politiques, c'est d'abord les médias qui sont clairement dans un déficit éducationnel, parce que quand on donne une éducation neutre et objective autant que possible sur différents sujets, la création monétaire, est-ce qu'on en parle dans les médias? Non, Absolument pas. non. Est-ce qu'on donne les articles de traité européen dans les médias? Absolument pas. Est-ce que les enfants apprennent à l'école ou dans les médias c'est quoi la Constitution? Qu'est-ce qu'il y a Ouais, dedans? ouais, Voilà, déjà, on n'a pas des éléments de base pour avoir une réflexion personnelle sur quelque chose. Donc forcément, quand on agite uniquement des slogans, parce qu'aujourd'hui, on est dans une espèce de société qui ne fonctionne que par des slogans, par des phrases toutes faites, c'est facile de dire je suis antiraciste. Ben, tout le monde est antiraciste fondamentalement. Fondamentalement, ouais. Non, Voilà, mais non, mais t'as tout à fait raison, ouais, c'est ça. c'est très facile de dire je suis ouvert sur le monde, je suis universaliste, etc. Tout le monde est comme ça, fondamentalement. Maintenant, moi, je veux voir ce qu'il y a dans les vraiment de ce qu'il y a d'écrit, de qu'est-ce qui devient un traité, qu'est-ce qui devient une loi. C'est là où je vois la réalité entre le discours et la pensée. Et ce que je constate, c'est qu'à l'ère des slogans, les gens ne lisent pas le matériel écrit, les lois, les traités, les mécanismes, ne s'y intéressent pas parce que c'est trop compliqué, c'est fatigant, et puis de toute façon, l'appareil politique que je soutiens ne m'y invite pas à l'étudier. Donc, forcément, il y a une sous-culture et quelque part c'est aussi de la responsabilité des gens. C'est pas que la responsabilité des politiques ou des médias, mais c'est aussi la responsabilité de ceux qui ne veulent pas s'éduquer. Oui, et puis ils sont nombreux alors, parce que dans ce cas, tous les gens au PS, à l'UMP, donc tous ces gens qui sont persuadés que leur parti œuvre pour le bien national. À l'UMP c'est particulier parce qu'on a on a les anciens gaullistes. Donc, parce que l'UMP, il faut regarder comment dire, ce qu'on appelle les catégories socio-professionnelles des gens qui votent pour les partis politiques. J'avais étudié ça. Et l'UMP a ceci de particulier que ce sont majoritairement des personnes âgées. Donc, nous avons la tranche d'âge la plus ancienne qui va identifier l'UMP comme ce qui reste du gaullisme et vont se dire, Sarkozy, avec son espèce d'assise autoritaire et l'émanation de Gaulle, quand bien même les vrais gaullistes se disent c'est une aberration que de penser ça, mais ce sont des gens qui sont déjà réellement âgés, donc ils ne comprennent plus vraiment, ils sont un peu déphasés. Et puis on a ceux qui ont connu leur révolution libérale en mai 68, qui espèrent qu'elle va continuer et qui continuent de suivre les libéraux, parce que ce sont des gens qui ont bénéficié des Trente Glorieuses, et qui sont un petit peu fâchés avec un État qui distribue trop, selon eux, aux faits sociaux et ne libéralise pas un peu plus la vie. Donc voilà ce que c'est que l'UMP, c'est un parti mourant, c'est un parti à l'agonie. Donc limite, je m'inquiète même plus de l'avenir de l'UMP. Par contre, je trouve que le Parti socialiste, il y a quelque chose à faire. Quand on parlait d'outils de résistance, on peut l'envahir. Alors là, il y a plein de réactions parce qu'en fait, tu as vu, les messages nous arrivent un petit peu en retard. Hein. Désolé, c'est pour Je ça que t'en prie. je rafraîchis. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Encore une fois, on parle de Soral sans qu'il soit sur le plateau. C'est navrant, ça c'est Meta Smile. Oui, mais on va l'inviter, t'as raison, peut-être Meta Smile. L'Efteros, mais le microcosme politique n'a plus rien de français, mis à part le FN, plus aucun parti ne sert. Ne considère les intérêts de la France et des Français. Mon cher Eleftheros, pas tout à fait d'accord avec ça. Il y a d'autres Tout. partis, il n'y a pas que le FN. Hein, ça, c'est une vision frontiste, justement. LKJ, UMPS et les autres, on n'en veut plus si, à la rigueur, le FN. Bon, bah, le FN à la cote, hein, ça, on s'en doutait un peu. QSR, non, la gauche anti-France, car humaniste et internationaliste, sinon oui, l'idée des courriers est très bonne. J'ai travaillé dans l'administration. Donc, tu vois, cette Voilà, idée-là, des gens vraiment... qui ont